Ils sont là. Amicia, tous ces gens. C'est ma faute. Pas du tout. On sait tous ce qui s'est passé là-bas. N'y pense pas trop. On retourne à la carte. C'est pour ça que t'es là. Tout ça sera bientôt fini, Hugo. Les rats n'y laisseront pas faire. Ils sont contents maintenant. Les rats n'auront pas d'autre choix que d'aller au diable. Ils vont se défendre. C'est rien que des animaux stupides, Hugo. Nous, on est trois humains, malins et forts. Je sais pas. Dis-moi vers quel brasier tu veux aller. Je dégagerai un chemin. Restez avec moi. Ouvre-nous la voie, Sophia. Restez près de moi. Ça ira comme ça. D'accord. Sophia, ouvre-nous un passage. Restez dans la lumière. Attention, la lumière est presque trop faible pour mon prisme. Mon prisme reçoit peu de lumière ici. Attention! Arrête maintenant! J'y vais. Moi. Attention, la lumière est presque trop faible pour mon... Ouvre-nous la voie, Sophia! Restez dans la lumière! Sophia, ouvre-nous un passage! Restez près de moi! Restez à distance! Vous aider ! Bien sûr. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez dans la lumière. Non ! Non ! Laissez-les ! Laissez ! Bon sang. Pourquoi ? Je vous hais ! Je vous hais tous ! C'est fini. Partons. Viens. Ça va s'arrêter. C'est trop tard. C'est fini. Partons. Viens. Ça va s'arrêter. C'est trop tard. C'est tout détruit. Hugo. Ce chariot. Oui. Ça nous protégera. Il y a quelque chose sur le sol. Une poutre. Ça paraît lourd. Il faut trouver un moyen de la bouger. Sophia, ouvre-nous un passage. Restez dans la lumière.
Mon prisme reçoit peu de lumière ici. Attention! Ça ira comme ça. D'accord. Ouvre-nous la voie, Sophia. Restez avec moi. Viens, tu peux lâcher. Bien sûr. Tenez-vous prêts. Restons à proximité. Sophia, ouvre-nous un passage. Restez près de moi. Ouh, c'était moins une. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez avec moi. Ouvre-nous la voie, Sophia. Restez près de moi. C'est bon, tu peux lâcher. Bien. Sophia, ouvre-nous un passage. Restez dans la lumière. Ça ira comme ça. D'accord. Voilà. La carte. Le porteur. C'est lui la clé. Mais tout est si vieux ici. Il est mort il y a longtemps. Il restera forcément quelque chose. Quelque chose pour te sauver. Je m'en fiche de moi. Ne dis pas ça. Tu es tout. Hé, hey, vous allez arrêter de vous torturer l'esprit tous les deux. Oui, on est en enfer. Mais on a une piste. Alors on reste soudés et on va jusqu'au bout. Elle a raison, Hugo. C'est tout ce qui nous reste. Je sais. Et je suis sûre qu'il y aura des survivants. Leur palais, c'est une vraie forteresse. C'est vrai. C'est le devoir du comte d'offrir refuge à son peuple. Oui. Lui, c'est un vrai chevalier. Ouvre-nous la voie, Sophia. Restez près de moi. Sophia, ouvre-nous un passage. Restez dans la lumière. Viens, tu peux lâcher. Bien sûr. On va avoir besoin d'un grand feu pour traverser tout ça. Ouvre-nous la voie, Sophia. Restez avec moi. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez dans la lumière.
Restez avec moi. Là-haut. C'est là. Arrête maintenant. Bien. Monte. Allez. Monte. Vite. D'accord. On y est. Enfin. Quand je pense que c'était juste sous notre nez. Alors, Basilius, où es-tu? Où est-ce que tu caches ton trésor le plus précieux? Sous terre. Oui. Il doit être juste en dessous. La carte pourrait être le point d'accès. On va la briser? J'ai l'impression. Reste là, d'accord? Prête. Pousse. Ça fait un bien fou. Pauvre carte. Oui, c'est dommage parce qu'elle était très vieille. Ouais. Allez, viens. Une galerie. Ils l'ont condamné. Mais pour quelle raison? Allons voir. On y est. Viens! Il fait trop nuit. Mais la nuit a peur de toi aussi. Un peu de lumière, et elle disparaît. Descends, ça va aller. Regardez, ça mène quelque part. C'est ici. Je le sens. Personne n'est venu ici depuis très longtemps. Me lâche pas la main. Bien sûr que non. T'inquiète pas. Il fait de plus en plus noir. Je vais nous éclairer. Je veux bien. Attendez, il se passe quelque chose. Oh, pitié, non. Bonté divine. Regardez la taille de cet endroit. C'est quoi ça? Une espèce de temple. On dirait, oui. Sur le sol, regardez. C'est encore le symbole de l'ordre. Oui. C'est bien ici. Basilius est là. Quelque part. Regardez cette porte. Quel chaos. Que s'est-il passé ici ? Ces traces. Il y a eu une explosion ici. C'était un accident? Je dirais qu'on les a faites sauter. Oui. Quelqu'un voulait vraiment rentrer. Allons voir le reste. Il y a eu une autre explosion ici aussi. La porte est détruite. C'est forcément elle. Aelia. Elle s'est enfuie de la chapelle. Elle a détruit tout ça? Elle voulait reprendre Basilius. Elle a forcé le passage. On est sur sa piste. Il y a un espace derrière. Essayons de passer. On va vraiment passer par là? Ne t'inquiète pas, ça tient depuis des siècles. On s'enfonce encore. J'espère qu'on va la retrouver quelque part. On verra bien. Attention en descendant. Oui. Un glissement de terrain. Si c'est Aelia, elle a tout mis sans dessus dessous. Elle avait peur pour Basilius. Elle avait raison. C'est coincé.
Attendez, ces barils, ils sont remplis de feu crêchois. C'est pas une arme, ça? Pas toujours. Ils devaient s'en servir pour maintenir leur feu allumé. Il y en a un encore scellé. Tu penses que ça peut exploser? Dans un baril comme celui-là? Ouais. Essayons sur cette porte. Pour de vrai? Ah, ces murs ont résisté assez longtemps. Mais... Je m'y connais pour faire exploser des choses, crois-moi. Là. Tous aux abris. Amicia, tu t'occupes de l'enflammer. Est-ce qu'on est assez loin, là? Oui. Baisse bien la tête, surtout. Oh! Ça a marché! C'était bruyant. Tu vois? Ça tient. Allez, venez. Tout ira bien. Regarde. Il y a des oiseaux ici? Oui, des oiseaux des grottes. Ça veut dire qu'on n'est pas seul ici. Et il n'est pas seul non plus. Exact. Continuons. Et peut-être qu'on le croisera. Si il n'a pas eu trop peur. Oui. La porte est en piteux état. Jetons un coup d'œil. On va faire exploser cette porte aussi. Un baril. Ah, mes oreilles! Bon sang! Tout le monde va bien? Je crois. La voie est libre. On y va. Des morts. La garde de l'ordre, sans doute. On a retrouvé la piste d'Aelia. Elle aimait pas faire de prisonniers. Ils l'ont poussée à bout, j'imagine. Je crois qu'elle est passée par ici. Regardez, il y a un autre baril de feu grégeois sur le chariot. Oh! Ça a l'air dangereux. Là, une manivelle. Voyons voir. Sophia, tu peux t'en occuper? Impossible d'y aller. J'ai besoin de toi, Sophia. C'est comme si c'était fait. Ouvre la herse. La charrette va rouler. Eh bien... C'est parti. C'est ouvert, je crois. Tu sais, je commence à la voir en toi. Aelia. Parce que je suis aussi désespérée qu'elle. Parce que tu n'abandonnes jamais. Ah, bien. Oh, wow. Comment est-ce possible? C'est quoi cet endroit? Cette porte là-bas va vite nous le dire. On devrait pas être ici. Eh ben, on y est. Non, non ! On a besoin de feu ! Amicia, vite ! Je le savais ! Cet endroit est mauvais ! Attendez, attendez ! Ces feux, ces rails, ils ont construit tout ça pour les tenir à l'écart. Quoi ? Oui, on peut dégager le passage. Si tu le dis, on commence où? Bon, ces bras zéro peuvent être déplacés. Monter sur rail, nourri au feu grégeois. L'ordre sait comment y faire avec les rats. Bien, voyons voir. Thank you.
arrivée ici. Alors vous avez déjà vu ça avant, à l'autre bout du pont? C'est pas une coïncidence, j'imagine. Non, c'est la Macula qui relie tout. Voilà, c'est fait. Viens, on peut aussi les pousser. Tu m'aides? Bien sûr. Oui, allez. Hugo, j'ai peur. C'est normal, mais ça va aller. Bon sang, les rails sont endommagés. Sophia, ouvre-nous un passage! Restez dans la lumière! Attends! Ne va pas trop loin, il commence à faire trop sombre. Hey, Hugo, tu réalises combien de fois ces rats ont essayé de nous attraper? Oui, beaucoup. Mais on a toujours été plus malins qu'eux. Parce que ils ne tiennent pas les uns aux autres. Mais nous, oui. Exactement. Il n'ira pas plus loin. Hé, il y a un rail qui mène droit au pont. Mais cette épave est pile en plein milieu. Laisse-moi voir. D'épave de chariot. Y a plus qu'à rejoindre cet autre rail. J'ai hâte de voir ce qu'il y a de l'autre côté du pont. Vous êtes sûr que ce porteur est la réponse à vos questions? C'est évident, non? Tout conduit ici. Aelia nous a menés ici. Ces gens sont morts, ils peuvent plus aider personne. Mais c'est tout ce qu'on a. La vérité. Je veux pas connaître la vérité, Amicia. Ah, vous deux. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez avec moi. Sophia, ouvre-nous un passage! Restez dans la lumière! Ça ira comme ça! Bien. Comment tu te sens, Hugo? Je me sens bizarre. Bizarre comment? Allez, Hugo, on y est presque. Comment tu peux en être sûr? Parce que cet endroit... Je le sais, c'est tout. Je sais que le porteur est la raison pour laquelle Hugo a rêvé de cette île. Mais surtout, je sais qu'on n'a pas d'autre choix. Très bien, c'était... Non, oublie. Je suis vraiment désolée. Mais il faut qu'on le fasse. Oui. Ne t'énerve pas. Je suis pas énervée. Je suis... Ne sois pas.
réussi. Enfin. Bien joué. Ouais. Continuons d'avancer. Encore des gardes de l'ordre. Je n'arrive pas à croire qu'elle les a affrontés seule. Cette fille devait être une redoutable guerrière. Elle était engagée corps et âme. Et il était tout pour elle. Et il souffrait, il était en danger. Elle le savait. Tu sais ce que c'était ? Je sens juste la nuit. Comme dans mon rêve. Quand je mourrai. Seigneur, j'espère qu'elle a réussi. Pitié, donnez-nous une piste. Qu'on parte. Protéger un, protéger tous. C'est ce qui était écrit dans la chapelle du fort. C'est elle. Aelia. La protectrice du porteur. Elle leur en a vraiment fait baver. Mais elle est morte seule. Qu'est-ce qu'il y a, Hugo ? Je veux pas que tu meures. Je suis vivante. Je suis vivante. Allez, t'es un grand garçon. Allons donc voir cette porte. Hmm ? Je sais ce que ça fait. De se battre seul. Se battre pour ne pas. J'espère que tu as trouvé la paix, où que tu sois. Tu sais comment on va s'y prendre pour ouvrir ça ? Je veux qu'on parte. Quoi ? Après tout ce qu'on a fait ? Allez. Tu te sens un peu mieux ? Pas trop. Hé, on est tous épuisés. Mais on est ensemble, pas vrai? Bon. Ouvrons cette porte. J'ai besoin d'aide pour garder ça ouvert. Sophia, je compte sur toi. Avec plaisir. Il y a un poteau attaché au chariot. Il doit y avoir une raison. Je peux arrêter maintenant. C'est parti. J'ai besoin d'un coup de main, Sophia. C'est comme si c'était fait. Barre de fête. Passons au reste. Tu peux laisser tomber. D'accord.
Sophia, tu peux t'en occuper? C'est parti. Je te laisse faire, Hugo. D'accord. Est-ce que c'est bon? On peut lâcher. Ce levier est totalement sorti du sol maintenant. Essayons-le. Que je vois là. Ça descend plus profond. On peut encore partir, Amicia. Non, non, non. On franchira cette porte tous ensemble. On y est. Si tu veux faire demi-tour, Sophia, c'est le moment. Allons-y. Je veux repartir. Je t'en prie, Hugo. Respire. Un hydra. Mais l'air est plus épais. Il est là depuis longtemps. Depuis Basilius? Je pense... Oh. Je me sens bizarre. C'est ta tête. Il y a... du bruit. Courage. C'est quoi ça? C'est pas... très accueillant. Ça a fait quelque chose. En effet. Soyez prêts à courir. Au cas où. Cet endroit, c'est une foutue forteresse souterraine. On continue. Ça a l'air d'aller jusqu'à l'autre bout. Mais il en manque une partie. Ah, oui. Regardez, ici, il y a un passage qui descend. Bon, il est raide, mais... Je vois. Ça pourrait faire l'affaire. Je passe devant. Fais attention. Comment je vais m'y prendre pour les rejoindre? Oh mais... ces chaînes... des contrepoids... ils soulèvent les parties du pont! Celles-ci sont toujours levées. C'est la jeune fille la plus débrouillarde que je connaisse. C'est vrai. Mais elle est toute seule et ils sont beaucoup. Tu la connais. Elle a déjà fait ça plein de fois, non? Elle est tenace, bien plus que. Oui. C'est terrifiant tout ça. Moi aussi je suis terrifiée. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas assez fort, pas vrai? T'es vraiment terrifiée?
Oui. Mais que ça reste entre nous. Juré. Merci, Sophia. N'habitue pas trop. Bien. Viens en sécurité. Pour l'instant. Je t'avais dit qu'elle y arriverait. Thank you.
ça, je peux en témoigner. Fasse une pause. Non, il vaut mieux y aller. Je suis là maintenant. En route. Je me sens triste. J'ai peur, Amicia. Je sais. On a traversé beaucoup de choses. Mais c'est comme si... s'il y avait quelqu'un dans ma tête. C'est... Basilius ? Peut-être. C'est très lourd. J'ai peur. Ça veut sûrement dire qu'on se rapproche. La fin du pont. Il est temps de voir où ça mène. Oh, cette odeur, c'est... étouffant. Oh. Non, c'est mal. C'est très mal. Qu'est-ce qui se passe? C'est là, Amicia. Je veux pas. Mais il le faut. Il le faut. Oh, ça me dit rien qui vaille. Seigneur, on dirait une cathédrale. Ils ont construit ça pour lui. Alors, il est en bas? Oui, au cœur de tout ça. Ça ressemble à ce que le dernier seuil provoquerait. Aelia n'a pas réussi à le rejoindre, et voilà ce qui est arrivé. Et alors? Il s'est passé quoi? Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Je veux pas savoir. Il le faut. Il t'a amené ici. C'est... ton héritage. Je veux pas d'héritage. Je veux être normale. Hugo, pour que les choses reviennent à la normale, tu dois vivre. C'est ce que tu veux, mais je continue à tout gâcher. Mais tu ne le fais pas exprès. Tu es juste un enfant. Il y avait des enfants dans la ville rouge aussi. Je sais que c'est dur, Hugo. On se connaît pas très bien, toi et moi. Mais je sais que tu mérites une seconde chance. Même si on doit aller en enfer pour la saisir. Oui. Ma tête... c'est de plus en plus fort. Je veux qu'il sorte de ma tête. On y est presque. S'il se trouve ici, alors ce qui peut te sauver aussi. À quoi ça sert? Si je finis encore partout caché. Arrête. Tu dois me faire confiance. Amicia! Sophia! Petit trésor. Je t'en prie, je sais. Non! Tu sais pas! Pourquoi tu fais ça? Amicia. Viens, je vais te porter. On va le faire ensemble. C'est trop pour lui. Je suis désolée que tu doives subir ça. Je le fais pour toi. Je veux me reposer. Tu te reposeras. Mais d'abord, tu dois vivre. J'ai besoin de toi. J'ai peur de moi. Arrête. Tu vivras. On se battra. On tiendra bon. Allez. Viens. C'est... le porteur. Ils l'ont enchaîné, le pauvre. Mais... pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de lui, de son pouvoir. Voilà pourquoi ils ont bâti tout ça. Ils ont toujours eu peur. Ils ont tué un enfant. Il a appelé les rats. Ils se sont frayés un passage, à travers les murs. C'est le point de départ. De quoi? La peste de Justinien.
Il était triste. Il était très triste et en colère. C'est pour ça que la Macula nous a amenés ici. Il doit y avoir quelque chose. Un parchemin, une fiole. Quelque chose. Je vois rien du tout. Aelia, elle a échoué. Amicia. Elle a échoué, Sophia. J'ai entendu. C'est pas juste. Quand je mourrai. Tu ne vas pas mourir. Je ferai en sorte qu'ils meurent tous. Non, Hugo. Ils n'auraient pas dû mourir. Quand ils l'ont séparé de sa protectrice, il a perdu espoir. Il a cédé à la Macula et il les a tous condamnés. Il a eu raison. Non, écoute. Si seulement elle avait pu lui dire quelques mots, il aurait su qu'il n'était pas tout seul. Il aurait vécu et épargné beaucoup de vies. Tu comprends? Tu vas vivre. Et moi, je serai là. Je te donnerai la vie que tu mérites. Une vie sans combat. Tu veux ça? On va se trouver un refuge. Ils ont pas vraiment l'air d'accord. Que se passe-t-il? Il faut partir! Qui sont restés là-dedans. Je crois que ça va. Personne n'est blessé. Hugo ? C'était trop horrible. Oui, je suis désolée que tu aies vu ça. La Macula savait ce qu'elle faisait. La Macula sait s'y prendre avec les enfants. Ils l'ont attachée à des chaînes. Oui, mais toi tu vas vivre. C'est ça le plus important. Non, ce n'est pas le plus important. J'ai peur que tous les gens soient aussi méchants que... Et j'ai peur de ce qu'ils veulent me faire faire. Tu as raison. Écoute. Il y aura toujours des gens dans le monde pour faire des choses terribles. C'est dans l'ordre des choses. Mais crois en toi et en tout ce que tu peux faire de bien. Il y a des gens comme ça aussi. Pour qui ça compte vraiment. Qui veulent que tu aies une belle vie. Des amis. Comme moi. Les amis, ça sert à avoir envie d'être meilleur. Si tu en doutes, je comprends. Mais aie confiance en moi. Aie confiance en nous. J'ai confiance. On trouvera notre chez nous. Allez, quittons cette île.
On a un bateau à récupérer et une mer de rats à traverser avant. Ils ne nous arrêteront pas. Tout est différent maintenant.